m'appelle Pierre-Luc Lavallée, j'ai 29 ans et je suis propriétaire du Traversier à Saint-André-d'Argentin. L'histoire de l'entreprise, ça remonte depuis un petit bout déjà. Ça fait presque 200 ans qu'il y a un traversier de répertorié sur la rivière des Outaouais, et puis qui relie Saint-André-d'Argenteuil, anciennement Carillon, à Pointe-Fortune. Donc, on parle des Laurentides à la Montérégie. C'est une entreprise familiale depuis 1974. Donc, j'ai grandi là-dedans, je suis né dans ça. J'ai appris à conduire le traversier avec mon grand-père et puis avec mon père un petit peu plus tard. J'ai décidé de reprendre l'entreprise familiale pour la qualité de vie que ça apportait. J'aimais la proximité que j'avais avec mes parents qui se rendaient disponibles. Et puis, c'est un milieu de vie familiale que j'aimerais reproduire dans le futur. J'aime le domaine de la navigation. J'aime que ce soit à tous les jours un petit peu différent. Il y a des nouveaux défis. Argenteuil, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Fait que j'ai eu du soutien, j'ai eu du support. J'ai été capable d'aller chercher les bonnes ressources. Fait que c'est le fun, c'est un petit milieu qui se tient, là, qui est connecté. Ce que j'aime bien de mon travail, c'est la proximité à laquelle je suis du travail. Ça me coûte plus cher de souliers dans une année que de gaz pour aller travailler. Là. Littéralement, je sors de la maison, je vois l'entreprise, je me rends là tranquillement avec un petit café. J'ai un bureau qui est vitré 360 avec 16 fenêtres. J'ai une vue sur l'eau du début jusqu'à la fin de mon corps de travail. Puis je ne pourrais pas demander mieux comme bureau de travail. On a décidé de s'installer à Carillon pour la tranquillité qu'on a, la proximité des deux parcs qu'on a, que ce soit Parc Canada que le Parc Carillon. Puis même, on est à 15 minutes des épiceries des gros centres-villes de la Chute et puis tout ça. Fait qu'on a la proximité du centre-ville en ayant la tranquillité là, d'un petit village. Les activités qu'on pratique dans Argenteuil, il y en a plusieurs, que ce soit le bateau à cause des cours d'eau qu'on est entouré, que ce soit la randonnée. C'est des activités qu'on pratique avec ma femme et puis mon chien également qui peut nous suivre là, sur la route verte ou en vélo ou en patin voilier. Avoir à recommencer, je pense que je ne changerais strictement rien. J'aime où ce que je suis, j'aime comment les choses se font. Je ne suis pas quelqu'un qui force les choses dans la vie. Et puis, j'aime ça, les choses laisser arriver par elles-mêmes. Puis, je pense que c'est le meilleur moyen de bien faire les choses. Je crois qu'Argenteuil n'a rien à envier aux autres MRC, puis il gagne à être découvert.